Salut tout le monde, c'est Redbox, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle présentation de jeu. Je suis désolé, il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, moins que j'avais prévu. Mais j'ai pas pu retourner parce que j'étais pas tout seul chez moi. J'ai reçu de la famille et tout ça. Du coup, je ne pouvais pas faire des vidéos. Du coup, voilà, excusez-moi pour cette semaine. J'espère pouvoir en faire plus la semaine prochaine. Alors du coup on se retrouve sur un petit jeu Monsieur Cube. Alors que j'ai installé il y a récemment. Et j'ai pas pu trop tester, du coup ça va être une présentation découverte. Donc du coup voilà, on est parti. Donc, on est parti pour la présentation de Monsieur Cube. Donc, c'est un petit jeu de survie sur smartphone Android. J'ai pas regardé sur iPhone s'il y a. Donc, c'est un petit jeu d'aventure. Un petit peu cubique. Mais vraiment sympathique. Du coup, le jeu s'appelle Monsieur Cube. Hein, vous le tapez. Ou Survie Monsieur Cube. Excusez-moi pour ma voix, j'ai un peu la voix. Je suis un peu malade. Du coup, ma voix sera pas terrible pendant cette vidéo et je m'en excuse. Alors, du coup, on va toucher. Et voilà. Vous voyez que le jeu se présente comme ça. Normalement, il y a une petite histoire avec. J'ai peut-être coupé internet. Voilà. Peut-être que sur internet, il n'y aura pas de pub, je sais pas. Du coup, il y a une petite histoire. L'histoire est en anglais. J'ai pas vu si on pouvait mettre le jeu en français. Apparemment, je vois pas. Non. Du coup voilà, le jeu est full en anglais par contre, c'est ce qui est un peu triste. Du coup on commande le petit bonhomme comme ça et on peut frapper à droite, c'est simple. Les contrôles sont assez simples. Alors il y a un petit point d'interrogation là, qu'est-ce que c'est? Ok, donc ça c'est les quêtes. Ça c'est quoi? Ok, ça c'est pour nos caractéristiques, pour les augmenter quand on augmente de niveau. Il y a un petit tuto au début aussi. Alors, ça, c'est... Ok. Ok, ok. D'accord. Twin. Ok. Alors là, on fait augmenter de stats, je crois. Exactement, et ça c'est slash, c'est une technique avec notre épée je crois. Mais ça, might, je sais pas trop ce que c'est. Ok. Du coup, bon, on a plus assez pour faire augmenter. Du coup, on peut peut-être faire augmenter notre vie ou... C'est ça. D'être notre armure. Voilà. Bon, du coup, voilà. Alors, le jeu n'est pas très éclairé. C'est... Un petit désavantage, mais... Je vais augmenter un petit peu la luminosité. Voilà. Du coup, on est parti. Alors, du coup, start. Vous voyez que le jeu se passe comme ça. En gros, vous allez passer un portail. Vous allez vaincre un monde et vous allez repasser le portail. Du coup on start, là je suis au portail 3, j'ai installé le jeu récemment. Du coup, alors, est-ce qu'on va réussir? Pendant un petit écran de chargement, alors excusez-moi si vous entendez des petits bruits de fond. Il fait énorme, enfin, il fait chaud. Du coup j'ai laissé la fenêtre ouverte sinon je vais mourir. Alors... on a des petits coffres où il y a des ressources comme ça qu'on peut ouvrir. Et voilà, ça c'est les monstres qu'il faut battre. Alors ça c'est des petits cochons. Eux c'est ceux qui tapent à distance. Ok, il faut se retourner. Alors les touches ils sont pas faciles parce que regardez, par exemple j'avance ça là pour me retourner. Je peux pas me retourner comme ça. Ah si je peux. Ah si je peux. Oh my bad. My bad, my bad. Oh, on m'encercle.
En fait, c'est un peu compliqué parce que c'est difficile de se retourner sec. Du coup, vous allez voir que des fois, je tape devant alors que les ennemis sont derrière. Parce que j'ai pas réussi à me retourner. Ok. Ok, ok. On se retourne. Ah non. On se retourne. Ok. On va prendre une seule distance en premier. C'est plus simple. Merde. Il y en a vraiment beaucoup dans ce niveau. Allez, mourez, 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 mourez. Wow, wow, wow. Attention. Passe par là. Ok, il y a le gros. C'est une sorte de boss, je crois. On va essayer de le tuer. Voilà, il est mort. Faut se débarrasser des petits maintenant. Ok. On tape, on tape, on tape. Vous, vous mourrez. Nice, 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 nice. Ok. Il en reste plus beaucoup. Ok, je crois qu'on les a tous fait. Non, il en reste 2. 3. 4. Ah, mais c'est pas fini du tout. Ok, ok, on continue. Ok. Ok. Ok, donc voilà. Voilà, voilà un peu pour le jeu de survie, vous avez vu. Alors on est au qu'au début du jeu, je vous ai dit, j'ai installé, je connais pas encore tout du jeu. J'ai pas eu le temps. Du coup voilà, c'est une sorte de présentation découverte. Je vous montre un petit peu le gameplay. Alors là, je suis en train d'explorer s'il n'y a pas d'autres coffres à ouvrir. Et je longe les murs. En général, les coffres sont sur les coffres, enfin les murs. Il y en a un dernier là, je crois qu'on va y aller. Voilà. Ouais, c'est bon, on a tout fait. Du coup, on retourne au portail qui va nous emmener au prochain niveau, donc le portail 4. On est parti. Alors, bah, que dire d'eux sur ce jeu? À part que je le trouve fort sympathique, mais pas obligé d'avoir internet pour jouer. Excusez-moi s'il y a un peu de reniflement, je suis malade comme je vous l'ai dit. Du coup, je suis un peu enrhumé. Excusez-moi. Alors. Ok. Bien sûr, quand vous recommencez un niveau, vous avez toute votre vie. Hein. Enfin, quand vous faites la suite. Regardez, là, par exemple, j'avais du mal à me retourner. Regardez là, parce que j'ai pas réussi. Hop là. En fait, il faut se retourner sec. Et pas doucement. Là. Comme ça. Oh. Non, mais... Voilà. De toute façon, vous le voyez à gauche. Je suis retourné, regardez. Regardez, là je fais marche arrière. Ok. Ok, ok. Là on se retourne et on les tape. Alors c'est des sortes de pastèques, je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression. Je sais pas trop ce qui nous attaque. On va avoir un roi pastèque. Ce sera le roi pastèque. Oh, un petit slime. Ah, il y a du slime ici. Oh. Hop là, on se retourne et on les tape. Allez, mourir. Hop là. Hop là. Oh, le roi pastèque. Faut le tuer. Ok. Nice. Ok. Il ne va pas se retourner. Ok, c'est bon. Ok, on se retourne. Okay, on avance et on se retourne. Ok. Alors, il y a plein de pastèques et quelques slimes dans ce niveau. Ok. 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 Et voilà, c'est un peu le jeu. Faut survivre comme ça. Par contre, je sais pas ce qui se passe si vous mourrez. Bah écoute, on va le voir tout de suite. Je vais me laisser tuer. S'il va bien me tuer, oui, voilà. Je me laisse tuer, on voit ce qui se passe quand on meurt. Vous voyez que là, j'ai réussi le niveau. J'ai juste tué 2-3 slimes. On se laisse mourir, on voit. Si on recommence du début ou je sais pas. Non, je suis qu'au niveau 4. C'est pas une grande perte. Voilà. 33, vous voyez que la vie descend.
En haut, c'est les ressources que vous gagnez dans les niveaux qui vous permettent de faire évoluer votre personnage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, je suis mort et c'est le game over. Touche to home. Ok. Ok. Du coup, là, je suis retourné au début. Et si je retourne dans le portail, ok. Donc c'est comme si il faut que je refasse le niveau. Ok, je retourne pas au début. Ok, bah c'est cool à savoir. Ça veut dire que si vous mourrez, ça veut dire que votre personnage n'est pas assez fort. Ou soit vous êtes nul, comme moi. Faut le faire évoluer ici. Ok. Du coup voilà. Du coup je pense qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous inviter à télécharger ce jeu. Il est vraiment cool de vous avoir invité. Désolé pour les bruits de fond et pour... ma gorge, et aussi désolé parce qu'il n'y a pas eu trop de vidéos cette semaine. J'essaierai de me rattraper pour la prochaine vidéo. C'était Redbox, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!